je suis bien contrariée, mais lorsque j'ai choisi Cathy Nounou, j'ai cru qu'elle saurait être ferme avec les enfants. Elle avait l'air si respectable. Winifred, ne confondez pas efficacité avec maladie de foi. En choisissant la prochaine, je serai ferme. Allons, ma chère, vous avez engagé 6 nurses en moins de 4 mois. Et ces 6 expériences ont été absolument désastreuses. Je le reconnais. C'est une tâche importante et délicate de choisir une nurse pour les enfants. Il y faut de l'intuition, un jugement sûr et la faculté de lire les caractères. Étant donné les précédents, il semble plus à propos que ce soit moi qui choisisse la prochaine nurse. Oh, vous feriez cela, George. Pour choisir une nurse convenable, on doit s'y prendre convenablement. Je vais mettre une annonce dans le Times. Voulez-vous noter? Mais oui, bien sûr. On demande. On recherche une nurse ferme, respectable, sans fantaisie. Une nurse anglaise doit être un général. Le futur empire repose dans ses mains. C'est pour cela qu'on doit choisir pour nos bambins une personne très ferme qui... Comment? Vous notez, Winifred? Oh oui, je note avec soin. Une banque anglaise marche sur la précision. Aussi un home se doit d'être ainsi. Tradition, discipline et code priment avant tout. Et dissipe, désordre, catastrophe, anarchie, qui pour nous sera notre désespoir. Oh, splendide, George, et si poétique. Le Times va être bien content. Papa? Oui? Papa, nous venons d'en parler. Et nous sommes désolés pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez raison d'être désolé. Les méchants nous sauvaient, on aurait dû rester avec Cathy. En effet. Et on fera tout pour nous entendre avec la nouvelle nounou. Fort raisonnable. Il serait souhaitable que vous m'aidiez. Nous sommes décidés à le faire et nous avons écrit une annonce dans ce but. Une annonce? Pourquoi? Pour demander une nounou. Vous avez écrit une... Oh, George, je vous en prie. Vous avez dit que vous voulez qu'on vous aide. Mais... Oh, très bien. On demande une nounou pour 2 adorables enfants. Adorables?